Bonjour à tous, c'est Redon, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy X. Et nous voilà enfin devant le temple de Jose. On va pouvoir avoir notre troisième chimère. Et pourquoi pas être overpété. Ah bah tiens, il est là, lui. Where is he? I found him. He was torn in half. That idiot. What do I do now? I can't do this. I'm going back to Bethsaide. Ouais, vas-y, retourne à Bethsaide. Vas-y, vaut mieux. Loser. Il est coupé en deux. Ah, il s'est fait couper en deux, dis donc. Waouh. Ah ouais, c'est chaud quand même. So you're a champion of Yevon now, Braska. Alors, ah, c'est lui l'invoqueur. I beg your pardon, but may I ask your name? I am Summoner Yuna from the Isle of Bethsaide. As I thought, the daughter of Lord Braska. You have the look of your father. My father? You knew him? No, I have never met the man. Ah, my apologies. I am Isaru. I am a summoner, like you. I'm Passe. Pleased to meet you. And I'm Moroda. I'm guarding my big brother here. Since I was a child, I've always looked up to Lord Braska. I wished I would someday become a high summoner like he was. You must have some of your father's talent in you. I believe you might someday defeat Sin. I'm not really. I've only just become a summoner. Of course, I've no intention of losing either. So perhaps we should race to see who can defeat Sin first, no? Oh, very well then. I accept your challenge. Isaru! Yuna, I beg your leave. Good luck to both of us. Yes. Mais dis donc, il est sympa. Ron qui pousse, qui m'arrive et... Allez, avance. Avance, gros ours, là. Oh, merde, j'ai loupé le coffre. J'avais vu un coffre, mais j'ai pas vu. Eh ben, il y en a un, là. Alors, remède. D'accord. Bah oui, il n'y a pas d'albède ici, bah oui. Je me disais, pourquoi il y aurait des albèdes. Il n'y en a pas. Et un éther. Oui, pourquoi pas. Et ici, il n'y a pas l'air d'avoir de coffre caché. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de coffre caché. Et ici, il n'y a qu'un seul coffre. Et un méga phoenix. Oui. Ouais, c'est pas mal. Mais trêve de bavardage, on est là pour la chimère. Quoi? You are Yuna's guardian, no? Moroda's heard a curious rumor. I thought you should know. I heard it from those crusaders. Seems that summoners have been going out on pilgrimage and just disappearing. It could just be the fiends got them, but not so many so quickly. Sorry I don't know more, but watch your back. Eh, c'est sympa, il t'avertit tout ça et... Ain't much future for a guardian without a summoner, eh? What y'all talking about? We're talking about doing your job as a guardian. Hey, I'm doing good. Right, big brother? Please be careful. Will do. Ouais, ils sont super sympas plutôt, ouais. Ah, je les aime bien, ouais. Oh, what? On y va. We're leaving. Et voilà, je m'en doutais. Be right there. See ya. Bah ils sont gentils. Bah ça change de l'autre pouf là. The cloister of trials. Et au fond, est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va. À nous la chimère. L'épreuve d'électricité. All right, guardians, at attention. We are ready. All right, let's do it.
Ok. Alors, on va faire ça. Parce que je pense que ça marche comme ça. Voilà. Et bon, là pour l'instant ça va. C'est relativement facile. Donc ça veut dire que les sphères de Jose sont capables d'émettre de l'énergie, capables d'activer les mécanismes. Comme la porte là. Donc on ne peut pas récupérer les sphères qui étaient dans la porte. Bon, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y a un saut sur la porte. Non. Ok, alors on va tester ça. Et on va le mettre là. D'accord. Alors je sais pas, est-ce que ça fait quelque chose de particulier? Donc là, ça étend celui-là. Ok. Et là, ça active le truc. Alors je pense qu'il faut mettre le piédestal là-dedans. Je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est ça. Ok. Quoi? Ok, ça remet le truc à sa position initiale. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi, elle est super chargée, un truc comme ça? Un truc comme ça, elle est super chargée? Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Ça n'a pas l'air d'être ça. Est-ce que ce serait sur l'autre? Est-ce que ce serait faire une impulsion et faire détruire celui-là qui est là? Ah! Bingo! Alright. Alors pour l'instant, on va les mettre là. On va mettre les deux là parce que je pense que ici, j'ai plus rien à faire ici. La sphère qui est là-haut, j'aurais voulu pouvoir la récupérer, mais je peux pas. Voilà. Ok. On peut pousser ça? On peut le foutre ça là-dedans? C'est peut-être court-circuiter et arrêter l'électricité. Ah merde! Ah non! Ah! D'accord! L'électricité, ça a fait tout flotter. Oh! Oh! D'accord, ça c'est activer l'œil. D'accord. D'accord, ça activer l'œil. Mais problème encore présent, c'est qu'il manque 3 sphères. Donc lui à la rigueur. Voilà. Donc là on n'a pas besoin, c'est bon, c'est ouvert. Donc lui on peut le faire allumer ici. Ouais, je pense que c'est bon. Et les deux autres, on va s'en servir pour activer les ailes. Qui se trouvent... là, c'est ça? Exact. C'est exact. Et on va pouvoir activer le dernier. Bon, ça va. Pour l'instant, c'est pas relativement compliqué. C'est même assez simple. Donc ça passe. Pour l'instant. On sait pas après comment ça se finit après. Voilà. Et voilà. Et mon piédestal s'est barré. Il y a une sorte d'ascenseur. Mais ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, nouvelle épreuve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut tout activer? Non, ouais, j'ai l'impression qu'il faut tout activer.
Bon, il suffit juste de faire ça, c'est tout. Hein. Ça a pas l'air bien fou. Voilà. Ok. Donc ça a ouvert le piédestal. On peut placer une sphère. Attendez, on va essayer un truc. La grosse verte là, on peut pas la retirer ? Mais l'ascenseur marche. L'ascenseur marche plus. D'accord. L'ascenseur marche plus, ok. D'accord. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire ici. Ok. Donc c'est ici. Observons tout. Faut observer. Il y a un truc qu'on peut faire ici. Attendez. Est-ce qu'il faudrait pas activer? Faudrait pas se mettre dessus sur ça? Et ça a déplacé le. Non, pas du tout. Ça a rien fait. Bah alors là, je vois absolument pas comment on fait pour avoir les larmes secrètes ici. Bah non, le truc est là. Parce que là, tout est bien allumé, tout ça. Là, je vois absolument pas. Là, y a rien en bas. Là, y a rien. Ok. Alors, attendez. On a forcément loupé un truc. C'est obligé. On a forcément oublié un truc. J'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Est-ce qu'il y aurait un endroit où il y aurait une sphère cachée ou quelque chose comme ça? Parce que la sphère sous, c'est celle-là. Et ouais, j'ai eu peur. Je croyais que je pouvais interagir là, mais là je peux pas. Là je peux pas. Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment, vraiment bizarre. Surtout qu'il y a quelque chose ici, quoi. Et lui, il lui faut sa sphère. Sphère des élus qui active le truc qui est là. Mais elle est où cette sphère? Bon, attendez, on va faire ça. On va aller là. Là, c'est Yuna qui fait son truc. Ok. Stop pacing. Bon, je peux pas, donc bon. C'est pas grave. Try to settle down. We wait here. Well, well, you were still traveling with quite the crowd. What is it, Bartello? You are. Aaron, no? What of it? Can I shake your hand? Elle a traité Auron de Charlot? No, Sir Auron. You're the reason I became a guardian. Thank you, sir. This means so much to me. Calling the personal guardian the Lord Braska Riffraff? And you call yourself a summoner? Yeesh. Bartello, enough! Get back here. Hang in there, buddy. Eh? Oh, le mec, putain. Stop pacing around.
Ah oui, mais attendre. Et si on se barre direct? Quoi? Ah, c'est ce qu'il fallait faire. Je voulais me barrer pour avoir le truc, mais bon. Et ben voilà. You owe much to your father. All these guardians. And Sir Auron too. And I hear Maester Seymour is quite taken with you. The world must look different when you're the daughter of Lord Braska. This has nothing to do with my father. I am traveling on my own, as a full-fledged summoner. Oh, is that so? Then comme mon perso, il s'agit dans tous les sens. On your own two legs for once. Your guardians won't be able to protect you when the time comes. Mais toi, t'es une sale garce. C'est une sale garce, je l'aime pas. Ixion. Alors, eh ben... je sais pas comment l'appeler. La licorne. Ouais, on va voir si ça passe, la licorne. Je sais pas si ça va passer. Je pense pas, mais... Non, ça passera pas. On regarde, mais ça passera pas. Non, ça passera pas. Comment on pourrait l'appeler? Udada? Non, non, Udada, ce serait trop stupide. Le steak? Non, non, on va peut-être pas abuser quand même. Ouais, Ixion, ouais, ou Ixion, ouais, non, Ixion initial, c'est pas mal quoi. On va le laisser comme ça. On va pas lui changer son nom, non, valider, non. On va le laisser comme ça. On va laisser son nom parce que je trouve pas de nom pour lui. Donc, c'est pas grave. On va trouver ce qu'il faut. Et on va aller essayer de refaire l'épreuve. Quand même, pour essayer d'avoir l'arme. Surtout, l'arme est très importante. À moins qu'on peut plus. Fuck! On peut plus. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas eu bon bah le coup. Hein, je l'ai pas eu sur le coup directement. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On fera ça... une prochaine fois. Donc on va s'arrêter ici. Donc c'est un épisode un peu plus court parce que vraiment j'ai décidé de me recentrer à fond sur sur le temple. Donc c'est pas plus mal. Comme ça on va pouvoir continuer directement notre aventure au prochain épisode. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr vous connaissez les bails. Le pouce bleu, le partage, le commentaire et l'abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. C'était Reno Snow pour servir. À vous les studios. Ciao.